moi, quand je suis arrivée ici, je sais pas, j'ai senti comme des présences, comme des esprits, peut-être des ancêtres qui sont là, qui sont parmi nous. On les voit pas, mais on les sent. C'est assez puissant comme ressentiment. Et j'en ai profité pour les retranscrire sur mes toiles avec des couleurs assez flashy les unes des autres pour pouvoir leur donner de la gaieté. Parce que finalement, même si c'est des esprits, je pense quand même qu'il y a dû y avoir plein de belles choses ici. Pour moi, l'exposition Aït Ben Haddou, c'est une exposition militante au service du patrimoine pour la transmettre, pour la faire évoluer. Bonjour, Saïdou Diko, ici là dans le cadre des journées patrimoine d'Aït Ben Haddou. On était une trentaine d'artistes venus du monde entier pour travailler autour des thèmes patrimoine d'Aït Ben Haddou. Donc nous sommes très contents d'avoir pu finaliser aujourd'hui et inaugurer l'exposition suite à la résidence et qui s'est très bien passée. Les œuvres sont installées dans plusieurs lieux sur les casbahs.